Salut tout le monde, c'est Maxiou28, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Alien Isolation pour l'épisode numéro 2. Donc vu que l'épisode est assez court, enfin 20 minutes, on va commencer rapidement. Je perds pas trop de temps. Vous verrez sûrement que j'ai amélioré le cadre de ma facecam. Parce qu'avant je mettais en mode brut comme ça, sur le côté, ça faisait pas trop top. Là je trouvais comment faire, donc ça va être beaucoup mieux maintenant. Voilà. Alors, où j'étais? Oui, j'étais revenu exprès en arrière pour sauvegarder. Par contre, de quel côté c'était? C'était par là? Je sais plus. Oui, c'était après le feu, ouais. J'aurais pu passer par là, ouais. Aussi. Donc. Allez, grimpe. Donc la dernière fois, c'était le commencement quoi. Il n'y a pas eu encore d'aliens, mais je pense que dans cet épisode ou dans le prochain, je vais en avoir. En tout cas, là, je vais tourner plusieurs épisodes d'un coup, donc c'est sûr et certain que je vais en trouver. Hein, voilà. Alors, on s'était arrêté dans cette salle. Il y avait un terminal que je vous avais fait lire. Ok, c'est bon. C'est par là, hein, vu que là ça s'ouvre pas. Allez, on est parti. On perd pas de temps. Wow, wow. Ça m'a surpris. Ok, j'ai perdu de la vie déjà. C'est pas sympa. Vas-y, il y a un truc à prendre en plus. Bon sang. Une fumigène. C'est pas mal. On en a vraiment besoin. Alors. Là, là, y a rien. Hop. Je pense pas qu'il y ait grand chose là-bas. Là, on a encore un truc. Ok. Est-ce que c'est par là? Oui. Allez, c'est parti. On remonte. Un détecteur, je crois. Une Camelot, d'accord. Enfin, de la Camelot. On va éteindre ça. Eh oh, il y a quelqu'un. C'est pas en parlant aussi bas que tu vas faire entendre. Alors, on avance. This is for the rent. Pourquoi? C'est la carte. Ok. Attendez. Ouais, ok. Ces terminaux, ils sont où? Ouais, je sais pas. C'est ça? Hop. Ouais. Tu veux faire combien de fois? Ah, 3 fois. Accéder à terminal. Oula, il y a plein de trucs. Donc là, c'est bon. Là, ici. C'est bon aussi. Ah, c'est retour. Hein, faut pas que je me trompe. Oups. Voilà, maintenant je sors totalement du truc. En fait, je sais pas si... Parce que c'est long en fait à faire ça. Ça, c'est un truc audio. Établir le courant. Bon, c'est pas grave. On va sauvegarder. On peut bouger la caméra aussi. Ok. Là, ça s'ouvre maintenant, oui, très bien. Voilà. Aïe. Ok, ça me fait mal ça. Apollo. Par contre, on n'a pas d'armes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quand même assez chiant. Ah,
Alors. Là-bas, il y a des trucs. Là, ça doit être fermé vu que c'est rouge. Est-ce qu'une lumière? Sondeur ionique, il faut. Ok. Il y a un petit trou. On peut pas passer, sûrement. On peut pas sauter, donc non. Donc c'est par là. Est-ce qu'il y a un truc? Là-bas, il y a une salle. Putain, il y a des trucs qui bougent. Sondeur ionique. Il y a du bruit en fond. Je vais éviter de sprinter trop aussi. Parce que si on en a besoin au bout d'un moment. Wow, ok. Il y a un vaisseau qui passe. Le torrent. Ah, en plus ça se ferme. C'est par où? Ok. Et il faut peut-être descendre par là. Ça serait mieux. Voilà, c'est tout fermé. On peut pas rétablir le courant. Ah, mais tout ce bruit. Une fumigène. Je l'utiliserai quand ce sera vraiment utile. Hein. Allez hop. Hop là, trois fois. Avec un bouton. Et je pense que c'est bon, voilà. Ok. On dirait que c'était des salles de jeu, mais en fait non. Donc ça a ouvert ici. Ok, le plot qui est passé devant, j'ai eu peur. Je sais pas en fait, il y a tellement de trucs en fait dans ces choses. Voilà. Bof. Non, je vais pas vous les mettre à chaque fois. Hein, c'est chiant, ça perd du temps. Hop, je sauvegarde. En tout cas, ils mettent des sauvegardes à tout, genre. Même pas toutes les 30 secondes quoi. Patienté, d'accord. Lire. Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, le Marshal Waits a finalement organisé une réunion publique pour répondre aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine ont suffi pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Hop, je sors en escaladant. Je vois pas vraiment l'utilité, mais... Oh, en plus c'est le hangar 42 ici. Oh my god. Tout est en train de partir en morceaux. Ah bon. Je savais pas. Alors par contre là, il faudrait monter sur un truc, non? Ah, ouais, c'est par là. Une Camelot. Enfin, de la Camelot. À chaque fois, je dis une Camelot, mais ça se dit pas. Ok. Y a rien, non, ok. Je peux passer. Hop. Ok, ça se présente plutôt pas mal, là. Ok. Quelqu'un qui est passé en courant. Surtout le bruit qui m'a fait que je suis retourné. Alors, on peut rien faire là. Non, bah, je sais pas où il est le truc. Hein. S'il faut, c'était juste une ombre. Là-bas, c'est ouvert. Là-bas, c'est fermé. Là-bas, ça a l'air ouvert, mais je suis pas sûr. Il y a une mallette là, on peut rien en faire. Chaque fois j'essaye de sauter, ça marche pas. Non, ça marche pas, je peux faire du foot avec, c'est tout.
Je vais aller d'abord là-bas. Alors qu'il y a des cadavres là, je crois. Ok, on arrive dans les mécanismes et tout derrière, hein. Dans les machines. Ça se referme là-bas. C'est ouvert ici. Allez, on remet encore le courant. Hop. Super. Alors, je sais pas où oui, ça doit être. Oula, ok. Là, c'est outil de maintenance qu'il faut. Que ça ouvre ça, mais c'est inutile, je crois. Ouais. C'est juste un passage, ok. Donc, on va aller par là. Quelqu'un qui est mort ici. Je crois que je peux pas y passer, hein, mais je suis pas sûr. Oui, donc c'est pas par là. On pourra y revenir plus tard. Ok. J'espère qu'il va rien se passer juste derrière là. Non, ça va. Si, ça va pas. D'un coup, il y a les lampes qui se pètent. Ça doit sûrement être la sortie. Ouais, passer par la salle principale. Ok. On n'y est pas allé ici. Ok, maintenir pour se cacher, pourquoi? Pourquoi il y a des trucs pour se cacher ici? S'ils mettent ça, c'est que... Il y a quelque chose. J'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Qui veut se faire foutre? On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. C'est quoi le truc, une autre effraction et qui... Je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Ok, ah non, c'était le fichier audio qui se lisait en fait. Il va y avoir écrit un truc en dessous. À l'envers, je veux dire. Ça sert à rien de venir là. Là c'est fermé. Là, c'est ouvert, on peut y aller. Oh. Merde. Ok. Il est mort, lui. J'espère. J'espère que les aliens, ils prennent pas des apparences humaines. Sinon on est mal. Allez, grimpe. Il y a l'échelle. Hop là, ok. Par gauche. Putain, en plus ça fait les lumières qui explosent là comme ça. J'en ai plus besoin que toi. Je m'appelle exact, ouais. Est-ce que ça peut servir d'arme aussi? Vous avez tout? Très bien. La plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. Il ferait mieux de vous protéger. C'est leur boulot. Ah. Maintenir cul. Une personne sait ce que c'est. Ok. Sauf de la mort. Ils m'ont juste enfermé. Je veux déposer une plainte. Donc maintenant on peut ouvrir les portes qui sont bloquées comme ça. J'ai vraiment peur, mec. Ça bouge tout seul, d'accord. Très bien. Putain, hop. J'ai trop. Personne n'est venu. Je me l'ai pris ici. Je crois que c'est ça le plus. Voilà. Ça c'est simple pour déverrouiller les portes. Une bouteille. Ah, de l'éthanol. Je l'entretiens Aist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Aist.
Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste savoir plus sur ton canette. Je vérifie s'il y a pas des changements en bas, en fait, à chaque fois. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Non. Donc on peut aller là, mais je crois qu'il y avait des autres portes là-bas. Turner, arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. On va aller débloquer les portes qu'il y avait là-bas. Comme ça, ça c'est fait. What? Bizarre. J'appuie sur Q, ça faisait rien. Hop, allez, on enlève. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Un mélange. Les seringues, un mélange. Oh, même avec une bouteille de gaz. C'est un peu dangereux, mais ouais, c'est... Ok. Je crois qu'il y en avait encore une. Non, elle était fermée, juste fermée. Par contre, ça c'est... C'était fermé tout à l'heure. C'est étrange. Lui, il est toujours là, ok. Il y a une porte qui s'est entrouverte un peu. J'entends des bruits, moi je me retourne. Ok, bon, on va aller là-bas. C'est la porte principale, normalement. Oh. Ne bouge pas. Pas un geste. Ok, ok. Maintenant, tourne-toi. Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. C'est pas lui? D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pour une fois que c'est l'autre qui va nous aider. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. Mmh. C'est bien. Il nous a aidés. Heureusement, c'est parce que des fois... Sixon Communication se trouve dans la tour Systech. C'est pas la porte à côté, mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok? Je sais pas pourquoi. On tombe toujours sur un pépin, c'est normal. Hop, on ouvre la porte. Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Ça va, t'as qu'à le faire. T'as le mec. C'est toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. Ah oui, c'était lui qui est couru ici. Reste à côté de moi. Quoi? Lui. Hey, hein. Un geste. Ok, ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Jana. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Jana, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Mmh.
Au revoir. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Ok. Donc j'aimerais bien un petit point sauvegarde là en fait. J'espère pour toi que ton vaisseau c'est pas des bobards. Non, pas Attends trop. Là. Je m'occupe de l'ascenseur. Bon, j'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas de point. Tu permets. C'est un vieux machin, il faut un doigté spécial. De point de sauvegarde. S'il y en a un là. Il n'y en a pas. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça? Appuie sur le bouton. Ok. Et là, c'est la fin de mon épisode, mec. Tu vois? Bon, bah, je vais vous laisser ici. J'espère qu'il vous a plu. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Oh là là là. Si tu veux retourner sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok. Comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. Mm-hmm. Bon, je vais mettre pause, hein. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Laissez un j'aime et un petit commentaire. Et nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.